C'est l'image du jour. Filmée ce lundi matin au large de la presqu'île du Cotentin, le trimaran d'Yves Le Blévêque pointe en tête. Il ne fallait pas le louper, l'express, emmené par la locomotive actuelle, a mis les gaz. Son skipper a su jouer sa partition à la perfection, mais il s'est engagé dans un mano à mano. Dans son sillage, tout proche, l'autre favori, Crêpe Wow 3. Francky Vescoffi a du répondant et ne compte pas se laisser faire. Tous deux ont su se jouer des conditions climatiques et tirer profit des atouts de leur machine. Et ce n'est pas le monsieur météo de la course, Richard Silvani, qui les contredira. Les multicoques ont le pouvoir d'aller très vite dès que la mer est calme et qu'il y a 10, 15 nœuds de vent, c'est des bateaux assez magiques. Bon, malheureusement, la flotte s'est déjà étirée, mais je pense que ça va continuer à s'étirer, puisque le vent va mollir un petit peu par l'arrière, et puis les deux fuyards de devant vont faire que creuser leur écart. Ça va être un petit effet d'accordéon qui va un petit peu s'accentuer avec le petit coup de pouce de la météo. Un air d'accordéon qui ne ravit pas Loïc Fequet. Le skipper du trimaran Crêpe Wow 2 en a fait son parti, troisième, à quelques 40 milles du duo de tête. L'équipage a décidé de jouer un autre air, et plus exactement, de jouer les filles de l'air, avec une option plus nord, en manche, et une autre idée derrière la tête. On était un petit peu inquiets avant parce que nos deux petits collègues se sont un peu échappés quand eux ils ont passé le four. Et c'est vrai que depuis qu'on a pris le chenal du four, là on est actuellement à 17 nœuds et on fait quasiment route directe sur la haie. Nous on n'a pas comme but de rattraper les deux qui sont devant sur les 12 heures qui viennent. On a comme but de ménager le bateau pour aller jusqu'au bout déjà. C'est pour ça que cette nuit on a peut-être un petit peu trop réduit. Au four et au moulin, pour ne pas perdre trop de temps sur les premiers, Erwan Leroux, sur Fenetra Cardinal, s'est lui aussi pris au jeu. Un jeu qui ne lui a pas souri pour le moment, le passage du Radecin s'étant montré particulièrement délicat. Septième et dernier d'un paquet de trois, le skipper ne cache pas sa déception. Pour être franc avec toi, c'est pas terrible. On était encore bien placé ce matin, et quand on est arrivé au Radecin, il s'avérait qu'on a eu le courant contre nous. Mais bon, c'est la vie, c'est la règle. En fait, on appelle ça le jeu de l'élastique, et il faut pas que l'élastique casse. Parce que si l'élastique casse, c'est que la régate est perdue. Voilà. Un nouveau jeu attend la flotte en manche, celui du chat et de la souris. Avec le trafic ultra présent, il va bel et bien falloir redoubler de vigilance. Au classement, Actual est toujours en tête, devant Crêpe Wow 3. Derrière, à plus de 200 000, l'équipage de Pierre 2, à qui il faudra sans doute plus que des formules mathématiques pour combler le retard sur les premiers.